Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo, mais en fait, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas de quoi je vais parler. Je ne sais pas quoi dire. Ben, ça me fait penser à quelque chose. Quelque chose que j'entends souvent d'ailleurs. Je ne sais pas quoi dire. C'est souvent ce que les gens me disent lorsque je leur pose la question, qu'est-ce que vous ressentez? Ils me disent, bah, je ne sais pas quoi vous dire. Ou alors ils me disent, rien, je ressens rien. Ou alors ils me disent, je ne sais pas. Alors ça, j'entends souvent ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors ils me disent aussi, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots pour vous dire ce que je ressens. C'est quand même incroyable ça. Tu vois, je me dis quand même, la personne, c'est quand même la mieux placée pour savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, pour savoir ce qu'elle ressent. Qui mieux qu'elle peut savoir ce qu'elle ressent? Et ben, la personne, elle te dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle ressent. Alors que elle habite son corps depuis quelques années quand même, hein, parfois même de nombreuses années. Et elle te dit qu'elle ne sait pas. C'est pas si facile de savoir ce qu'on ressent, en fait. Je ne sais pas, toi, ce que tu en penses. D'ailleurs, tu peux profiter de cette vidéo pour m'en faire part, pour me dire qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est sûr que c'est pas simple, hein. Mais parfois c'est comme ça en fait. Souvent, les choses simples, c'est les plus compliquées. Ouais. On a de plus en plus de difficultés à faire des choses simples.